François Porel, bonsoir. Vous appartenez à l'équipe dirigeante de Hydro-le-Duc, une entreprise experte dans la conceptualisation et la fabrication de composants hydromécaniques. Et vous venez de remporter le prix de l'international Région Est dans le cadre du prix de l'entrepreneur édition 2014. La question est simple. Quelle est la part de votre chiffre d'affaires réalisé à l'international, pour s'en rendre compte? Alors aujourd'hui, on réalise 65% de notre chiffre d'affaires à l'international, majoritairement en Europe. Notre plus gros client en Europe, c'est l'Allemagne. Et on le développe aussi fortement via des filiales. Donc pour le marché américain, le marché Nord-Europe, donc tout ce qui est Scandinavie. Et puis le marché chinois avec une filiale en création. Comment cette stratégie d'internationalisation s'est imposée à vous ? Alors aujourd'hui, Hydro-le-Duc, il y a quelques années, était leader français de la pompe sur son marché. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ceci étant, le marché français est un marché qui a une fin. Et donc on a décidé de se développer en allant vers les autres pays et donc développer nos ventes sur d'autres endroits. Quelles ont été les clés de réussite pour arriver à atteindre ces objectifs ? Alors les clés sont multiples. La première, c'est déjà la volonté de l'entreprise. Donc avec l'intégration de Madame Renault, qui est aujourd'hui notre directrice générale et qui a largement porté l'exportation dans notre entreprise. La deuxième, c'est la création des filiales. Donc avec la stratégie de dire, dans un pays, on va mettre une personne native du pays pour piloter la filiale, qui va connaître les mentalités, qui va connaître le marché et qui va pouvoir défendre le produit de la meilleure façon qui soit. Et aujourd'hui, vous réalisez combien de chiffres d'affaires ? Alors, nos chiffres d'affaires cette année devraient arriver à 40 millions. Donc 65%, on va être à peu près à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires export. Une stratégie gagnante donc. Encore bravo François Porel. Je le rappelle, vous appartenez à l'équipe dirigeante de Hydro-le-Duc, l'entreprise qui vient de remporter le prix de développement à l'international de la région Est dans le cadre du prix de l'entrepreneur édition 2014. C'est un événement co-organisé par EY et le groupe L'Express. Bravo à vous. Merci. Et à bientôt. Merci.